deux hommes d'État vont ensuite se retirer pour un tête-à-tête de près d'une heure, au cours duquel ils vont arrondir les angles avant bien sûr de rejoindre leurs délégations respectives pour la signature des accords sanctionnant une longue période de négociation. Devant Félix-Antoine Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan, plusieurs textes majeurs vont être signés dans différents domaines, en tête de priorité la défense avec trois textes de référence. Un premier accord cadre sur la coopération militaire, un deuxième en matière de coopération sur l'industrie de la défense et un protocole de mise en œuvre d'aide financière. Pour les deux parties, les signatures ont porté les noms de ministres de la défense de deux pays, Gilbert Kabanga pour la RDC et Hulusi Akar pour la République de Turquie, qui sera relayé par le professeur Ismaël Demir, président de l'industrie de la défense de la Turquie. Le but de ces accords signés selon les deux chefs d'État, organiser et formaliser la coopération en matière de défense en vue de contribuer à la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont depuis plusieurs mois en opération de maintien de la paix dans l'est du pays. Au-delà de la défense, plusieurs autres mémorandums d'entente ont été signés, notamment dans le secteur de transport, des infrastructures et des finances. La Turquie, l'une des vieilles amitiés de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, va à travers ces accords réajuster sa position et sa présence dans le pays. Cette visite officielle du président turc à Kinshasa pose les bases d'une coopération bilatérale qui s'annonce plus solide que celle d'il y a 10 ans. Après avoir participé activement au sommet Union européenne-Afrique où il était porteur du message du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge est rentré à Kinshasa ce dimanche, la synthèse de ses activités dans ce reportage. Le 6e sommet Union européenne, Union africaine a été une opportunité de revisiter le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, qui représentait le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses assises, qui ont réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement de ces deux continents, pense qu'il est important que les États se focalisent sur la santé, qui reste la priorité des priorités. Pour preuve, durant cette période de la pandémie de la COVID-19, les économies comme la sécurité ont été affectées. Il est donc temps que l'Europe regarde l'Afrique comme un partenaire. La RDC souhaite effectivement produire des vaccins et cela est dû non seulement aux différentes, la pandémie que nous venons de connaître, mais les autres maladies qui sont courantes auxquelles nous faisons face. C'est pour ça que nous demandons de ne pas nous focaliser que sur COVID-19, mais d'aller au-delà de ça. Aujourd'hui, nous avons la malaria qui tue. Jusque-là encore plus que Covid-19, et nous avons la tuberculose, je l'ai mentionné, et donc pour tout cela il nous faut un système qui nous permette de combattre, et nous comptons non seulement sur les relations bilatérales, parce qu'aujourd'hui nous avons des discussions, je peux donner un exemple et ça a été mentionné récemment avec la Belgique qui se propose d'avoir ce type de discussion, d'échange, de partage scientifique qui pourront aboutir à la production de ces vaccins. Ça, c'est l'une des voies. Mais du point de vue Union européenne, Union africaine, il y a eu un engagement clair qu'il faut absolument, du point de vue continental, qu'on puisse multiplier les expériences qui ont été faites avec le Ghana, la République sud-africaine, le Rwanda, avec d'autres pays encore, et nous pensons que nous, surtout au vu de notre démographie, nous sommes éligibles pour ce programme-là. Pour les chefs de l'exécutif national, ce sommet a été un succès, étant donné que les résolutions ont été tirées des différentes contributions des pays de l'Union européenne et africaine lors des préparatifs du 10 sommet qui s'est déroulé en Belgique les 17 et 18 février 2022. Et à la Commission électorale nationale indépendante, le président Denis Kadima a échangé avec une délégation de la société civile. C'était sur les questions électorales. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a animé l'atelier préparatoire pour la relance du cadre de concertation de son institution avec la société civile. Au cours des échanges avec les représentants de la société civile réunis vendredi 18 février,
2022 dans la salle Abbé Apollinaire Malumalu, le président de la centrale électorale a réaffirmé la détermination de l'ensemble de son équipe à œuvrer pour la réussite du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'idée que nous avons eue au moment où nous pensions à organiser cette rencontre, qu'on sache comment les cas de concertation ont évolué dans le passé. Est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs? Quelles sont les leçons à tirer du fonctionnement de ces cas de concertation? Je pense que ça devrait être le premier pas. Nous devons évaluer comment ça a fonctionné. Et cela viendra justement de vous en tant que partie prenante. Ça, c'est important. Bien auparavant, Didi Manara, deuxième vice-président de la centrale électorale, a salué la tenue de ce cadre d'échange et de partage. Mais les élections requièrent l'implication de toutes les parties prenantes. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ensemble, d'abord pour vous partager notre engagement de cheminer avec vous, ensuite vous écouter. Le numéro 1 de la centrale électorale a salué l'intérêt manifesté par des différents partenaires associés à la rencontre, notamment la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS, par l'entremise de son représentant pays, Sila Mutaga, qui prend une part active aux activités de la CENI. Saluer la CENI qui a accepté d'avoir comme partenaire dans le cadre de l'accompagnement du processus électoral, d'associer AFS et l'USAID dans le cadre de ce projet d'intégrité par rapport aux activités électorales. Avec les participants, des échanges en forme d'exhortation se sont engagés dans le souci de redynamiser ce cadre de concertation. Et puis, les agents nationaux de la santé aux frontières veulent voir clair en ce qui concerne le recouvrement de la taxe de désinfection. Explication avec Idi Tchala. Le public est saigné à blanc, mais par ses enfants. Les cas les plus illustratifs se trouvent au ministère de la Santé. Les agents du programme national de la santé aux frontières dénoncent un détournement organisé par leurs responsables. Ils en veulent pour preuve le recouvrement de la taxe de désinfection 4D instituée en 2020 par une circulaire du ministre de la Santé. Avec $25 par conteneur de 20 pieds et 35 pour celui de 40 pieds, les deux ports de la seule ville de Matadi ont produit près de $3 millions pour la seule année 2021. Le programme national d'hygiène aux frontières s'inquiète de la destination de ces fonds qui proviennent d'une taxe dont la régularité doit encore se conformer aux lois du pays. L'opacité qui l'entoure devient un véritable lit pour les détournements. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Jean-Jacques Mougani est vivement attendu pour une décision conservatoire au regard des éléments dont il dispose. Ils peuvent maintenant exercer leur profession librement. Les lauréats du département de la médecine dentaire de la faculté de médecine promotion 2018-2019 de l'université de Kinshasa ont prêté le serment d'Hippocrate. C'était le samedi 19 février 2022 au centre culturel du collège Boboto dans la commune de la Gombe, une cérémonie organisée par l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Nicole Cessé pour reportage. Ils ont attendu plus d'une année après leur formation universitaire pour se livrer à cet exercice. 39 lauréats du département de la médecine dentaire de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa ont prêté les serments d'Hippocrate, ce qui leur donne ainsi les droits d'exercer la profession. La profession que vous avez embrassée est noble. Ces exigences sont dans les serments d'Hippocrate que vous allez bientôt prêter. Elles seront d'application tout au long de votre vie. La RDC compte à ce jour 683 médecins dentistes inscrits sur le tableau de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Et pourtant, le besoin sur les questions des problèmes sanitaires est récurrent. Il est intéressant que vous puissiez à votre niveau réfléchir sur les défis de la pratique de la médecine dentaire dans notre pays. Quels sont les problèmes qui se posent? Quelles sont les pathologies les plus courantes? Et
quels sont les problèmes réels dont souffre notre population. Le docteur Fiston Lokadi, représentant des lauréats, a remercié les organisateurs de cette cérémonie qui a été marquée par la remise des certificats du règlement intérieur de l'ordre ainsi que les cartes professionnelles. Un nouveau bâtiment avec un auditoire très somptueux pouvant contenir un grand nombre d'apprenants a été construit à l'école de santé et publique. La cérémonie d'inauguration est intervenue en présence de plusieurs autorités académiques et représentants du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Rodé Panda. De 1932, construit à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, vient d'être inauguré en présence des autorités sectorielles. Les représentants du ministre de l'ESU a encouragé les comités directeurs pour ce beau bijou qui cadre avec les recommandations des états généraux de l'ESU et répond aux besoins de couverture santé universelle en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le recteur de l'UNIKIN a remercié les directeurs de l'école de santé publique et l'ensemble du personnel pour la matérialisation de ces projets et de renchérir que le porte du rectorat reste grandement ouverte pour les partenaires dans le but d'améliorer les conditions de travail. Le directeur de l'école de santé publique, le professeur Désiré Machinda, a indiqué que l'extension des infrastructures de l'école de santé s'avère indispensable et urgente en vue d'assurer un bon accueil des étudiants et adapter l'évolution des activités, le staff dirigeant, les académiques, les scientifiques et administratifs, sans oublier l'expansion des filières, l'hébergement, les réseaux, des télécommunications, le laboratoire et la bibliothèque. Ainsi, ce volume d'activités impose la nécessité d'un deuxième bâtiment, a-t-il martelé. Pour l'année académique qui s'ouvre, 150 apprenants sont attendus, dont 15 viennent de Brazzaville. Le professeur émérite Mapatano a été honoré pour la circonstance. Il en a profité pour dispenser une leçon magistrale. La promotion des activités du tourisme local, on en parle avec l'inauguration du bureau de l'antenne de l'Office national du tourisme ONT à Kinkolé. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. C'est le directeur administratif de l'ONT, Madame Jolie Mboyo Mukindi, qui a officiellement inauguré cette nouvelle antenne. Georges Frédéric Ndibou, reportage. De Kinkolé est une bourgade de pêcheurs située dans la commune de Lantélé. Nous sommes là dans la ville province Kinshasa en RDC. C'est dans cette partie de la capitale que vient d'être inaugurée la toute nouvelle antenne de l'Office national du tourisme ONT, dont le président du conseil d'administration, Dia Onken Ambel, a procédé à la coupure du ruban symbolique du siège du bureau de l'antenne ONT dans la commune de Lantélé. Le directeur général de l'ONT, Mme Jolie Yombo, a été représenté par le directeur administratif Olivier Okito, qui a indiqué que cette succursale va améliorer les conditions de viabilité et de visibilité. Oui, Kinkolé de tous les temps a toujours été une cité touristique, très touristique. Et puisque nous sommes l'Office national du tourisme, vous ne pouvez pas nous mettre à marge des activités qui se font ici. Médard Minga Shanga, directeur provincial, a pour sa part fait savoir que cet espace est réservé aux touristes. La mission de l'antenne traditionnelle a trois axes. L'axe promotion du tourisme, l'axe facilitation des touristes qui viennent. Et le troisième axe, c'est la collecte des statistiques touristiques. Au village des pêcheurs de Lantélé, hormis les poissons qui terminent divinement en mabouké, entendez, cuisson à l'étouffée dans les feuilles ou braisées, des courses des piroguiers y sont organisées. On peut s'y rendre par bateau pour profiter en prime d'une belle balade sur le majestueux fleuve Congo. Maman Kipendano, c'est le nom attribué à la ministre d'État en charge du portefeuille après avoir suivi des enseignements chrétiens pour mieux évangéliser, enseignements qu'elle a dû suivre à l'église méthodiste. Angèle Mabiala Landou. L'église
L'église méthodiste et unie s'est vue une église exemplaire qui respecte non seulement les écritures saintes, mais aussi les lois et règlements du pays. Tous les orateurs qui ont nourri les chrétiens de la parole divine ce dimanche 20 février 2022 ont axé leur prédication sur la crainte de l'Éternel. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Les attaques, d'où qu'elles viennent, ne pourront nous atteindre. Dieu étant lui-même victorieux, nous qui croyons en lui, nous devons prêcher par l'exemple, ont-ils renchéri. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Ce culte qui avait pour particularité la présentation d'un membre devenu il y a peu Maman Kipendano a fourni des explications. Maman Kipendano, autrement dit Maman Charitable, a une tenue spéciale. Le jaune symbolise la lumière, le vert la vie et le cercle veut dire que nous sommes dans l'unité. La princesse Adelkaïnda Maïna, ministre d'État en charge du portefeuille, a renouvelé son engagement de continuer à travailler dans la transparence pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'hôte du jour est venu avec un cadeau de 100 chaises de couleur verte et les rentre avec une gibecière pleine, une chèvre, un sac de farine, de pagne, de blouses, de mouchoirs de tête et des bouquets de fleurs. Et puis, 25 femmes et 3 organisations œuvrant pour le bien-être de la population ont reçu le prix Femmes Inspirantes 2021 pour la ville de Goma, une première édition organisée par OUEMA en partenariat avec la division provinciale Jeunes, Enfants et Familles. C'est une façon de reconnaître le travail et la réalisation de ces femmes. Bobette et Engel Samba, reportage. Elles sont une source d'inspiration pour beaucoup dans la ville de Goma. Chacune de ces 25 femmes a su faire la différence par le travail abattu sur terrain. Travail récompensé par le prix dénommé Femmes Inspirantes 2021. La cérémonie de remise du prix a eu lieu le vendredi 18 février 2022 à Goma, une initiative de Ouema Asbel, coordonnée par Chantal Faïda, la marraine de cette première édition. Pendant longtemps, il y a celles qui ont des carrières de 30 ans de lutte et il fallait qu'elles soient portées à la lumière pour que la communauté sache qu'il y a des femmes qui travaillent jour et nuit pour la transformation de notre société. Mais nous nous sommes d'abord focalisés pour Goma et ensuite dans d'autres éditions nous pourrons l'ouvrir et l'étendre à d'autres femmes de la province du Nord Kivu. Très honorés de cette marque de reconnaissance, les nominés se disent motivés à faire davantage. Ce prix me motive beaucoup parce que souvent, ce n'est pas toujours facile d'être reconnu sur le plan local. Plusieurs secteurs ont été ciblés, dont le tourisme, l'agribusiness, la santé, l'environnement, l'éducation, la littérature, etc. Cette première édition de la remise des prix Femmes Inspirantes 2021 est organisée en partenariat avec la division provinciale du genre, famille et enfants, la dynamique Femmes Justice et Paix, Agir et Généalogie Saint-Air. Et puis, la communauté famille chrétienne a clôturé son deuxième symposium sur la famille. Plusieurs recommandations ont été formulées pour le bien de la famille congolaise. C'est ce que Edith Chala nous dit dans ce résumé. Du dialogue et le pardon sont des valeurs qui doivent s'apprendre en famille pour épargner la société des conflits incessants. Ceci peut être un résumé issu du deuxième symposium sur la famille qui a eu pour thème « Regard nouveau sur la famille à la lumière de l'exhortation apostolique post-synodale à Maurice Laetitia du pape François ». Pendant 4 jours, d'éminentes personnalités se sont succédées dans différents panels pour exposer sur des sujets variés. Nous avons eu beaucoup de conseils. On nous a mis hors des problèmes du divorce et de séparation avec nos familles et nos enfants. Le professeur Léon Botolo, berger de la communauté famille chrétienne, a promis des produits le document du symposium dans un avenir proche. Monseigneur Charles Ndaka de l'archidiocèse de Kinshasa a exhorté les familles à plus d'amour et de compréhension mutuelle. Si Dieu fait homme se présente à une fête de mariage, sa simple présence voulait souligner la dignité du mariage. Le Seigneur a mis
beaucoup de facilité pour qu'en couple et en famille, qu'on apprenne à se pardonner le plus vite possible. En difficulté depuis plusieurs années, le couple Lonja a retrouvé sa sérénité grâce aux actions de la communauté famille chrétienne. Il a tenu à témoigner pour réconforter d'autres familles. Nous nous sommes mariés depuis 1983. Nous avons eu notre première fille en 84. On n'arrivait pas à avoir un deuxième enfant. Comme nous sommes entrés à la communauté famille chrétienne en 1995, les enseignements donnés sur la vie du couple qui concerne l'harmonie nous ont aidés à persévérer, à continuer à vivre dans cette situation malgré que d'autres enfants ne venaient pas. Des résolutions ont été prises qui seront rendu public dans les documents du symposium. Suivez à présent cette tribune d'expression populaire, sensibilisation des femmes et des jeunes pour lutter contre les antivaleurs. Les organisations des femmes et des jeunes habitant Massina, Petro-Congo, étaient en face des femmes de la Ronde pour la paix, venues les sensibiliser autour de la paix et le leadership féminin. Mesdames Gertrude Bayende et Deborah Nyamugabo ont aussi saisi cette occasion pour édifier l'assistance sur certaines valeurs républicaines afin de les amener à un changement de mentalité et à bannir les antivaleurs. Nous avons voulu passer un message. Celui de l'implication de la jeunesse, l'implication de la population à la gestion, à la gouvernance locale. Nous voulons que des gens s'impliquent, que les gens soient responsables de leurs actions, de leur développement. Nous avons eu des conversations avec les jeunes, les participants, pour parler de ces questions qui est locaux, la bonne gouvernance locale, centrale, urbaine, leur faire prendre conscience sur leur importance dans la société. Après avoir écouté l'assistance, les deux oratrices ont pu observer l'absence d'un encadrement réel dans ces quartiers de Massina Petro-Congo, d'où ces soucis d'amener la population de ces coins à s'approprier les valeurs démocratiques. Voilà qui pousse le bureau de consultation en genre, participation citoyenne et développement à intensifier les actions de sensibilisation à travers toute la République. Action que les experts de ces bureaux réalisent avec l'appui de la Fondation ACEDEL. Et puis, un pont a été jeté sur le collecteur construit pour drainer les eaux de pluie depuis le marché de la Liberté jusqu'au versant du fleuve Congo. Cette œuvre du député national Firmin Mboma permettra à la population de la commune de Massina de traverser en toute sécurité. Redépenda. En construisant ces collecteurs, c'était pour résoudre les problèmes de drainage des eaux de pluie partant du marché des Libertés jusqu'au versant du fleuve. Plusieurs quartiers de la commune de Massina étaient sécurisés et stabilisés sur le plan environnemental. Mais voilà, un autre problème est né, c'est la difficulté de traverser ces caniveaux à la dimension d'une rivière. Pour résoudre cette difficulté, il fallait jeter des passerelles, mieux des ponts. Ayant constaté cet obstacle, un des fils de ce coin de la capitale, le député national Firmin Mboma Pia, élu de la Tchangou, en a fait sa préoccupation. Il vient de construire ce pont pour permettre à la population de traverser avec leurs biens en toute sécurité. Même les véhicules de petit tonnage peuvent passer. Cette œuvre sociale est stimulée par l'altruisme pour éviter à la population des accidents. Assisté d'un autre député national, Paul Balenza, de son jumeau et de son épouse, Firmin Mboma a procédé à l'inauguration de cet ouvrage en présence des autorités municipales et la population bénéficiaire. En tant que fils du terroir, nous avons raisonné, résoudre tant soit peu la préoccupation de cette population. Ce sont des efforts consentis personnellement. Cet ouvrage ici ne peut le réaliser que le fils du terroir. Beaucoup de gens ne connaissent pas le coin ici, par conséquent ils ne pourront jamais réfléchir sur ce coin ici. C'est pourquoi nous demandons de pouvoir garder cet ouvrage jalousement. Deuxièmement, nous avons demandé aux jeunes du quartier d'éviter la barbarie, de ne plus continuer avec le Kuluna. Nous leur avons exhorté de ne plus créer d'insécurité dans notre quartier. La joie manifestée par la population, accompagnée de la musique, mesure le salut apporté par l'honorable Firmin Mboma.
Et puis Jean-Didier Bolikango, l'un des pionniers de l'indépendance, restera dans les annales de l'histoire. 40 ans après sa mort, le parti de l'unité a voulu exhumer sa mémoire. Cédric Enina. Un repos pour l'éternité en plein cœur de Kinshasa, la capitale. Pionnier de l'indépendance, acteur majeur de la vie politique des années indépendance, Jean-Didier Bolikango et ses visages des nationalistes autour de Patrice Emery Lumumba. 40 ans après sa disparition, la famille biologique, partie de l'unité nationale dont il fut initiateur, s'est souvenu de ces grands noms de la politique. Élisée Bokoumouana Maposo, vice-ministre du budget et président national du PANU, explique ici l'essence de la présence de ses héritiers politiques autour de sa tombe. 40 ans, jour pour jour, et ici, au cimetière de la Gombe, là où il se repose, pour attendre les derniers jours de la résurrection. C'est ainsi que les Pouna, dans sa coutume, nous avions décrété à ce que chaque date du 19 février, nous puissions célébrer cet événement de la disparition d'initiateur des partis de l'unité nationale pour célébrer cet événement de la mort de notre icône, le pionnier de l'indépendance et celui qui a été à la table ronde de Bruxelles comme membre du bureau. Et c'est le tout premier Congolais qui a participé dans le gouvernement belge. Parmi les activités en marge de cette commémoration, l'on note la messe de suffrage en la paroisse Saint-Sacrement de la commune de Ngaliema. Et puis, l'UDPS Kibasa a célébré le samedi 19 février dernier le 40e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Une messe d'action de grâce a été dite au siège du parti où le secrétaire général Séraphin Umbaka Pepe a fait appel à l'unité des membres pour consolider le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un reportage de Nono Mantekou. Messe d'action des grâces organisée pour commémorer les 40e anniversaire d'existence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux au siège de l'UDPS Kibasa était axée sur un message fort, celui de consolider les actions des chefs de l'État tout en planifiant sa réélection en 2023. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité tous les membres de l'UDPS Kibasa à ne ménager aucun effort pour réaliser les aspirations des pères fondateurs de ces grands partis. Prenant la parole, le secrétaire général de l'UDPS Kibasa a appelé les uns et les autres à l'unité autour des réalisations du président de la République. Maître Séraphin Umbaka Pepe a également lancé une mobilisation générale pour la réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023 avec une majorité confortable. D'abord, on est à une autre époque, l'époque où l'UDPS est au pouvoir. Parce que l'un des fils de l'UDPS est effectivement au pouvoir aujourd'hui comme président de la République. C'est un autre sentiment qui est différent des sentiments qu'on avait quand on était dans l'opposition. Les pères fondateurs, pour les quatre qui sont encore là, peuvent se dire qu'ils sont fiers de voir leur œuvre continuer après leur passage sur cette terre des hommes. Mais il faut s'imprégner des bravoures de nos pères fondateurs, qui ont commencé comme des fous parce qu'ils ont été traités de tous les maux, mais ils ont percé jusqu'à ce que la démocratie soit effectivement installée au Congo. Et aujourd'hui, nous sommes dans une autre réalité, on parle même de l'alternance politique. Donc pour nous, c'est une fierté, la victoire de l'UDPS. Quant à cet aspect des choses, la victoire, quant à l'aspect d'accession au pouvoir, elle est acquise, mais il reste d'autres étapes de victoire qui, dans le symbole de notre parti, démocratie pour le progrès social. L'UDPS dans son ensemble ne gère qu'à offrir au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une nouvelle victoire grâce au suffrage de la population congolaise à la prochaine mandature. Tel est le souhait de tous les combattants de l'UDPS, toutes les tendances confondues. Politique toujours, les activités sont suspendues au sein du Palu Gizenga. Le bureau politique de ce parti décide de la mise en berne des drapeaux pour observer le deuil du chef du parti, Dorothée Gizenga. On en parle avec Diane Balaka et Françoise Bouna. Il se dessine un malaise au sein du parti lumumbiste unifié, car un dialogue de sourds a élu domicile entre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et les membres de cette formation politique.
Selon le Palou, Assel Okito n'arrive pas à entériner la proposition qui lui est faite par les cadres et militants de ce parti en ce qui concerne le changement des textes régissant le parti lumumbiste unifié. Juste après le congrès, comme nous exige la loi, à son article 17, nous avons déposé nos statuts amendés notariés, nous avons déposé les règlements intérieurs aussi amendés notariés ou légalisés et toutes les résolutions du Congrès notifiées auprès du ministère de l'Intérieur. Nous avons dû attendre une semaine simplement après parce que la lettre a été adressée à M. Godefroy Mayobo à Kinshasa. Et la lettre est adressée non au secrétaire général chef du parti, mais la lettre est adressée à M. Godefroy Mayobo. Et la lettre est venue jusqu'ici. Malheureusement, ou heureusement pour lui, nous avons acquisé réception de cette lettre. Et dans la lettre, le ministre dit qu'il ne peut pas prendre acte parce qu'il évoque deux grandes raisons. La première, il fait allusion à un arrêt de la Cour de cassation qui aurait tranché en dernier ressort, en défaut de qualité, d'engager le parti par le secrétaire général chef du parti. Retenons que le Palou est un et reste indivisible, dixit le cadre et militants de ce parti. C'est par ce point de presse du parti lumumbiste unifié que nous mettons un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, 13h30. Petit Samba, au revoir et excellent début de semaine à toutes et à tous.